Bonjour et bienvenue à une émission très spéciale de Bébé Boom. Nous avons l'honneur de recevoir M. Georges Brossard, entomologiste et grand humaniste, et qui m'a demandé aussi d'inviter des enfants que j'aurai le plaisir de vous présenter. Il s'agit de Xavier Fauteux, bonjour. Alexis et Fauteux et Léane Kiobouraka. Bonjour. Bonjour, ma chère. Bienvenue ici. Oui. Je suis heureux de vous recevoir dans mon laboratoire. Empli de 420 000 insectes. Au moins. Au moins. Alors, ne vous étonnez pas de la quantité. J'attaque tout de suite en vous disant ceci. D'abord, félicitations, Mme Claire. Félicitations à l'équipe de tournage de Bébé Boom parce que vous faites de la bonne recherche, vous travaillez fort et votre contribution est immense dans le domaine du savoir, du plaisir. Et les gens, les jeunes en particulier, ont besoin de voir de bonnes émissions. Alors, je suis très ému que vous m'ayez demandé et je vais essayer de performer parce que je suis un gars qui performe. Oui. Alors, voyez-vous, vous êtes ici dans mon antre, dans ma collection. J'ai collectionné des insectes partout au monde. Et pouvez-vous me dire comment vous avez développé la passion pour les insectes? Certainement. Regardez bien. Les humains sont bizarres. On honorait les mammifères en faisant des zoos, les poissons en faisant des aquariums, les oiseaux en faisant des volières, voyez-vous, les plantes en faisant des jardins botaniques. Mais pour les insectes, rien, ou à peu près rien, comme si les insectes n'étaient pas importants, comme si les insectes n'étaient pas non seulement importants, mais beaux et intéressants. Mm-hmm. Alors, de tous les animaux qui vivent sur Terre, ce sont les insectes qui sont les plus nombreux. Excusez-moi, 90 % de tout ce qui vit sur Terre sont des insectes. Alors, il était temps que justice soit faite. Alors, moi, j'ai créé un musée d'insectes, le premier d'eux. Du Canada, même des États-Unis, ça s'appelle un insectarium. Tout le monde rit de moi, mais il ne rit plus, parce que l'insectarium performe. C'est une institution qui ramène au moins de 400 à 500 000 visiteurs par année. Et qu'est-ce qui vous anime dans la communication? Bien, ça a commencé quand j'étais tout petit. Regardez bien. Mes frères et sœurs, eux autres, aimaient les gros animaux. Moi, j'étais le plus petit de la famille. Alors, je m'identifiais aux plus petits animaux de la ferme, les insectes. Alors, j'ai commencé à collectionner à l'âge de 7 ans, à ramasser des guêpes, des abeilles, des thons, des bourdons, des papillons. Et je les aimais parce que je m'identifiais à ces petits animaux-là. Moi, j'étais le plus petit, donc je prenais soin des plus petits. Alors, j'ai commencé à collectionner comme ça, à temps plein. Et j'ai ouvert mon premier insectarium à l'âge de 9 ans. Il y avait un garage à côté de la maison qui était vide. Papa me l'a prêté. J'ai déposé là-dedans 500 spécimens d'insectes que j'avais amassés au cours de l'été. Et je montrais ça à tout le monde. Et les filles étaient admises gratuitement. Mais il y avait un droit d'entrée, 5 sous. Alors, mais déjà, très jeune, vous aviez cette passion-là. Oui. Et évidemment, les études d'un cours classique m'ont dérangé beaucoup. Ensuite, j'ai fait des études de droit. Moi, comme profession, je suis notaire. Alors, j'ai eu 10-12 années d'études qui m'ont dérangé énormément dans ma collection. Mais aussitôt que j'ai pu prendre ma retraite du notariat, je me suis lancé à temps plein dans le monde des insectes. J'ai voyagé partout. J'ai ramassé une collection faramineuse et j'ouvre des insectariums partout dans le monde. Donc, mission accompli. Vous êtes très content de votre œuvre. Oui, parce que on en avait besoin. Oui. Il était temps, comme je dis toujours, que justice soit faite. On vit dans un pays de rêve, un pays d'eau, de lacs, de montagnes, un pays extraordinaire. Et on a aussi de très beaux insectes. Par exemple, on a de 30 à 40 000 espèces d'insectes au Québec. Et ils méritent d'être connus, d'être vus, d'être appréciés. Comment définiriez-vous votre passion? Insectueuse. Ah oui? C'est simple. Oui. Il n'a que c'est la drogue, il n'a que c'est l'argent, il n'a que c'est les femmes ou les hommes, whatever. Moi, c'est les insectes. Okay. Donc, vous avez cette passion-là en vous. Vous la portez en vous. Je les trouve beaux. Je les trouve importants. Oui. C'est des pollinisateurs, des vidangeurs, des laboureurs, des recycleurs, des nourrisseurs. C'est une contribution incroyable. Sans les insectes, la nature ne saurait être ce qu'elle est. La contribution des insectes est énorme.
Elle est méprisée, elle est méconnue. Elle n'est pas considérée à sa juste valeur. Alors, c'est ça qu'il faut réconcilier. Un insecte, c'est un animal. C'est important. Oui. Et je pense que les jeunes ont des questions à vous poser. Ne vous gênez surtout pas. Alors, peut-être que la première question pourrait être par Léane. Oui, ma belle Léane, vas-y. Quel est votre insecte préféré? Ah, mon Dieu, si tu savais. Les scarabées. Je t'en montre un. Regarde si c'est beau. Un scarabée, c'est toxon. Ça vole. Ça a de la défense. C'est un des plus beaux insectes du monde. Le trouves-tu beau? Oui. J'espère. Il y a d'autres choses qui sont beaux. Il y a de beaux papillons. Regarde la beauté des insectes. Regarde si c'est beau. Comment n'a pas trouvé ça beau, vois-tu? Maintenant, je pense qu'Alexis a une belle question à vous poser. Vas-y, mon Alexis. Quel insecte que vous collectionnez est le plus gros? Le plus gros? Il y en a plusieurs. Il y a de très gros scarabées. Mais il y a de très gros sauterelles, criquets, qui ne viennent pas ici au Québec, mais ailleurs dans le monde. Il y a d'énormes papillons. Je vise les plus gros, les plus beaux, les plus rares. Tu as raison de me demander ça. On a le choix. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais les petits aussi sont intéressants. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas utile, qu'on n'est pas beau. Ça va? Et toi, mon homme, t'es pas un coton? Ah ouais? Non, il y a un petit... Comment vous faites en sorte que non seulement au Canada, mais dans 11 autres pays, vous avez créé des insectariums. Pourquoi? Mais comment vous avez réussi? Comment j'ai fait? Bien, j'ai d'abord commencé par celui de Montréal, de mon peuple, des Québécois. C'était normal, on commence par soi-même. Alors, j'ai donné une collection de 100 000 insectes à l'insectarium de Montréal que j'ai fondé de A à Z. Bon. Mais ça, ça a attiré des touristes partout, partout, partout du monde. Et les gens se sont informés, oui, mais comment qu'on pourrait faire pour avoir un insectarium, nous autres aussi? Alors, l'insectarium où je ne travaillais pas, je n'ai jamais voulu travailler pour eux autres parce que j'étais trop occupé à chasser, bien, je leur ai dit, présentez-moi-le. Alors, les gens m'appelaient, les Chinois, par exemple, des Sud-Africains, des Européens m'appelaient, « Monsieur Brossard, on aimerait ça faire un insectarium. » T'es au bon endroit, t'as la bonne adresse, viens me voir. Il ne me déplaça pas. Il venait me voir ici. Je leur montrais, évidemment, mes trésors. Et là, je les aidais à créer un insectarium. D'abord, à se procurer les insectes. Deuxièmement, à faire la muséologie. On ne met pas ça n'importe comment. On appelle ça de la muséologie. L'art de présenter de belles choses. Des tableaux, des peintures, des toiles. Il y a une façon de présenter ça. Mais même chose pour mes insectes. Il y a une muséologie spéciale que j'ai développée. Je suis autodidacte, que je n'ai pas eu besoin d'université pour ça. J'ai étudié par moi-même. J'ai étudié beaucoup, j'ai réfléchi beaucoup. Et moi, j'aimais le monde. Alors, je vais te donner un exemple. Dans tous les musées du monde, ce qu'on monte est trop haut. Ben, les parents arrivent avec leurs enfants. Excusez-moi, c'est ridicule. Ils sont obligés de prendre l'enfant par la taille, le lever et montrer le tableau. Pourquoi tu ne le baisses pas? Ben, allez donc à la hauteur des enfants. Alors, ma première règle en muséologie pour les insectes, c'est qu'il y a deux niveaux. Un, à la hauteur des tout-petits enfants, pour qu'ils les aient en pleine face. Le deuxième, pour les adultes. Vois-tu, quand t'aimes le monde, tu les sers comme du monde. Tu les aides. Tu leur facilites les choses. Tu sais, ça n'a pas de bon sens d'élever un enfant. Laisse-le voir. Je veux que tu payes les insectes en pleine face, tu sais, à ta hauteur. Je suis passionné, c'est pas de ma faute. J'aime les insectes. Oui, puis vous aimez aussi le monde. Le monde, le bien monde. Sûr. T'as pas idée comment est le monde. Oui. Un pays de rêve, le Québec, c'est pas croyable. Un des plus beaux pays au monde. Moi, j'ai voyagé dans 140 pays. Je te jure de m'écouter. Le plus beau pays au monde, c'est le Québec. En été. Bon. J'aime pas l'hiver. Il n'y a rien! Il n'y a pas d'insectes! Tout est parti! Tout est mort! Tout est enterré! Wow. Je vois où ce qu'ils sont. Oui. Alors, c'est beau pays au monde, le Québec. Et vous allez les cueillir. Vous allez cueillir les insectes. Ben oui! Vous allez les recueillir.
J'en mange. Ah, c'est vrai. Et bientôt, on va falloir s'habituer à en manger. Voilà. Voilà. Nous allons nous interrompre quelques instants. Vous pouvez, madame. Et vous revenir parce que vous avez des choses très importantes à nous enseigner comme parents et grands-parents. D'accord. Je pense que les parents ont une responsabilité nouvelle. Il y a beaucoup trop de parents qui ne se fient qu'à l'école, qu'aux instituteurs, je m'excuse, pour donner une formation aux enfants. Les parents ont un rôle fondamental à jouer et ce rôle-là devrait souvent être organisé dans la nature. Bonjour, ici Marcel Leboeuf. Vous écoutez présentement une production de TVR9, la télévision de la vallée du Richelieu, votre télévision locale. Mon nom est David Daigle, animateur à l'émission Point de vue sur les ondes de TVR9. Chaque semaine, j'aborde les thèmes d'affaires publiques d'intérêt pour la population de la vallée du Richelieu. Mes invités viennent faire le point sur des sujets qui vous concernent, tout en répondant aux questions pour lesquelles nous souhaitons avoir des réponses. Je vous invite à m'envoyer vos suggestions de thèmes d'émission ou encore vos questions. C'est donc un rendez-vous chaque semaine à l'émission Point de vue sur les ondes de TVR9, votre télévision de la vallée du Richelieu. Nous sommes de retour avec M. Georges Brossard, grand humaniste et entomologiste, en compagnie aussi de Léane, Alexis et Xavier, pour parler de l'amour de la nature. Rebonjour, M. Brossard. Mes amitiés, Claire, mes amitiés à vous. Merci d'être avec nous, vraiment. Oh, c'est de plaisir. Nous recevoir chez vous, dans votre laboratoire. Et j'aimerais comprendre vos valeurs profondes. Qu'est-ce qui vous anime au fond de votre cœur? C'est que on vieillit. Et on regarde l'évolution, évidemment, de la société, du monde, des loisirs et tout ça. Je pense que les parents ont une responsabilité nouvelle. Il y a beaucoup trop de parents qui ne se fient qu'à l'école, qu'aux instituteurs, je m'excuse, pour donner une formation aux enfants. Les parents ont un rôle fondamental à jouer et ce rôle-là devrait souvent être organisé dans la nature. Donc, le Québec, c'est un pays absolument merveilleux au niveau nature. On a de beaux oiseaux, de beaux animaux, 1 million de lacs, des forêts extraordinaires. C'est le plus beau pays du monde. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux parents et aux grands-parents aussi qui amènent les enfants dans la forêt? Et certainement, les grands-parents aussi ont un rôle fondamental parce que d'abord, les grands-parents, normalement, c'est généreux. Mm-hmm. Deuxièmement, ils ont du loisir, ils ont du temps libre. Oui. Et c'est pas vrai que ça radote. Non. Un grand-père, une grande-grand-mère, ça a beaucoup de valeur et de choses à confier. Alors, à l'intérieur de la vie quotidienne, je veux que les enfants soient mis en contact avec la nature. Ne fût-ce que le parterre, ne fût-ce que les fleurs, ne fût-ce que la forêt voisine, ne fût-ce que le cours d'eau qui coule tout près. Il faut que les enfants cessent de regarder à journée longue la télévision. Il faut que les enfants cessent de jouer avec des gadgets comme iPod, iPad, ici, ça. Ça devient l'enfer. Je ne dis pas que ce n'est pas éducatif, mais l'enfant doit prendre de l'air. L'enfant doit voir la nature, doit se mélanger à la nature. Et c'est ce qui manque de plus en plus. Il y a très, très peu de parents qui prennent la peine de sortir leur enfant. Ça ne peut pas de faire de grosses dépenses. Mais d'aller dans la forêt, d'aller sur une plage, d'aller voir des lacs, de leur donner un contact avec la nature. Et si les enfants veulent collectionner certaines choses, de les encourager, parce que ainsi, tu développes une passion, tu développes des connaissances. Parce qu'un enfant passionné s'instruit. C'est remarquable. Un enfant qui veut certains progrès dans sa vie, il va s'organiser pour justement avoir accès à ces éléments-là. Alors moi, je vous encourage comme jeune. Le futur du Québec, c'est les jeunes. Excusez-moi, c'est pas les vieillards. Le futur du Québec. Alors, il faut créer une génération qui est très sensible à la nature, à l'environnement et à la protection. Et bientôt, on va falloir se nourrir aussi avec des insectes. Oui. Regardez bien. Regardez bien, les enfants. On est 6-7 milliards. Mais croyez-le ou pas, il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas aujourd'hui. C'est pas croyable. Et, ne me croyez pas non plus, croyez-le ou pas,
Il y a 5 millions d'enfants qui n'iront pas à l'école aujourd'hui parce qu'ils ont trop faim. Alors, avant de nourrir, évidemment, son intelligence, il va nourrir son corps. Mais ils ne vont pas à l'école. Ils ne piquent pas. Ils piquent. Ils volent. Ils ramassent. Ils font n'importe quoi pour se nourrir. Et c'est correct. Il faut qu'ils mangent. Et survivent. Alors, le futur aussi est comme ceci. Il y a un futur pour manger des insectes. On appelle ça l'entomophagie. On va manger des insectes. Il y a déjà 75 pays qui mangent des insectes d'une façon quotidienne. Au Mexique, par exemple, il y a 55 plats principaux qui sont créés à base d'insectes. En Asie, c'est pas croyable le nombre d'insectes qui se mangent, qui se consomment. Bon. Les gens ont un dédain, un mépris incroyable pour les insectes. Mais excusez-moi, il faut les préparer, les traiter comme on traite d'autres choses. On ne mange pas des homards crus, des crevettes crues. On ne mange pas des clams crues. On les fait cuire, on les assaisonne, on les prépare. Donne la même chance à mes amis les insectes. Il faut les cuire, il faut les aimer, il faut en prendre soin. Et je sais, M. Boissard, que vous avez préparé une belle surprise pour nos jeunes. Ouais. Moi, je savais que vous viendriez me voir. Alors, je vous ai préparé quelque chose de spécial. Permettez-moi. Puis on ne leur a pas dit. Qu'est-ce que c'est? Les gens ont peur. Les gens ont peur des insectes. Les gens ont peur des arachnides. Un arachnide, c'est quoi? Ce sont des araignées, des scorpions et autres du même genre. Alors, j'ai ici un scorpion. Il est de mauvaise humeur. Regardez bien. Je le prends par la queue. En le prenant par la queue comme ça, il perd toute agressivité. Je lui dis, mais voyons donc. Alors, lui, il pince avec ses pinces, mais il pique avec son petit dard qui est ici. Tu vois le dard au bout de mes doigts, là? Est-ce que vous voyez, Mme Claire, le dard? Oui, oui, je le vois. C'est avec ça qu'il pique. Oui. Mais vous, vous gardez le tout sous contrôle. Moi, je lui parle, je l'aime, j'en ai pris soin. Ah, voilà. Regarde bien. Voilà le secret. Chut, c'est votre ami. Parlez pas. Viens me voir, immédiatement! Ben voyons, c'est moi qui ai le boss. Viens ici, mon petit homme. Ouvre ta main. Quel âge as-tu? 12 ans. C'est jeune pour mourir. Crache pas ton nez. Va ici au-dessus de la table. Aie pas peur, mon petit homme. 100%. Je suis fier de toi. Viens-toi. Mademoiselle, viens me voir. Tu vois, il y a des choses qui ne reviendront pas. Viens tout de suite, viens me voir. Oui, Léane, elle n'a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Elle est toute fière. Il ne va pas me piquer. Ah oui. Il ne te mordra pas, il ne te piquera pas. Oui. Je lui ordonne de prendre soin de toi. Voilà. Ah. Félicitations, ma belle. Je suis fier de toi. Ah oui, à toi. Bon. Puis il y en avait d'autres, je pense. La peur, bien oui, j'en ai d'autres. La peur, c'est comme ça. Oui. Ici, croyez-le ou pas. Ça, c'est l'ami. J'ai une très belle araignée. Oui, ça, c'est l'ami de Léane. Une tarentule. Ah. Elle est poilue. Elle est belle. C'est gentil. Une tarentule, c'est maternelle. Ça peut pondre de 50 à 75 bébés par année. N'importe quand, elle va donner sa vie pour protéger un seul de ses bébés. Elle les entoure, elle les protège, elle les aime. Alors, vois-tu, quand tu vois ça comme ça, tu te réconcilies avec ces petits animaux-là. Viens me voir. Ben oui, viens me voir. Grouille, viens me voir, mademoiselle. Toi, oui, t'es brave. Léane, c'est une future scientifique. T'as le droit de dire non. T'as le droit de dire non. Mais toi, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Montre-le à la caméra. Tiens, regarde si tu es belle. Regarde si elle est belle. Elle est gentille. Elle ne pique pas, elle ne pique pas, elle ne mord pas. Elle a toutes les qualités. Voilà. Et Anne, elle aime beaucoup les araignées. Et là, parce que je vous aime bien encore, je vais fouiller dans mes trésors. J'ai des trésors incroyables. Regardez bien. Ici, j'ai un gros cochon. Ah, qui est gros. Regardez bien s'il est gentil. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un insecte. C'est pas un arachnide. C'est un millipède. Un myriapode. Il y a 200 paires de pattes. C'est un des animaux les plus pâtés sur Terre qui existe. C'est gentil. Ça pique pas, ça mord pas, ça a toutes les qualités.
Il s'enroule pour se protéger. Et vous? Il est de mauvaise humeur. Je vais lui donner un petit ami, un petit voisin, tiens. Regardez si c'est beau, regardez s'il marche pas. Regardez s'il a une belle démarche. Regardez la démarche. Ça fait des vagues. Il se déplace comme un serpent en S. Mon Dieu que c'est beau. C'est comment beau, on n'a pas aimé ça? C'est beau, comment vous l'expliquez? Comment vous le ressentez? Et moi, je le ressens parce qu'il est équipé, il est préhistorique. Ça fait des années qu'il a survécu au froid, aux chaleurs, aux inondations. Il est tenace, il est fort. Il est extraordinairement adapté aux éléments de la nature. Ça fait des millions d'années qu'il est sur Terre. C'est ça. C'est ça, l'amour. La passion. Oui. C'est ça. Je pense que chacun de nous, on a un message pour vous. J'écoute. J'écoute. Alors, tu veux commencer? Qu'est-ce que tu veux dire à M. Brossard? Merci pour avoir apporté cette surprise. Je l'aime beaucoup. C'est gentil. Et vous? Merci de m'avoir, nous avoir permis de venir ici. C'est gentil. Moi, je vous remercie vraiment parce que c'est une expérience inestimable pour moi. Oui. Puis aussi, juste de voir combien d'insectes, parce que c'est vrai que les insectes sont beaux, puis il n'y en a pas juste des laits. Non, ils sont beaux, ils sont... utiles. Non, utiles, oui. Merci. Merci. Et parce que vous êtes venu me voir, j'ai un petit cadeau pour eux. En Thaïlande, Malaisie et Singapour, eux autres, je vais prendre la peine de vous le montrer comme il faut. Ils attrapent des spécimens comme ça d'insectes ou d'arachnides, puis ils les coulent dans l'ambre, dans le plastique. Et ça fait un porte-clés extraordinaire, imbrisable. Alors ici, c'est un scorpion. Je vais fouiller dans la main. Vous avez vraiment toutes sortes de choses. Vous êtes vraiment très généreux envers nous. Ben voyons donc. Tiens. Mais j'aimerais quand même, moi, vous dire quelque chose, M. Brossard. Là, je ne vous gênais pas. Dire combien vous êtes un modèle pour nous de transmission des valeurs fondamentales, mais en même temps d'une passion. Et ça, je pense que ça rend heureux dans la vie. Ça vaut cher. Ça vaut cher. Et ça, est-ce que ça rend vraiment heureux dans la vie? Oui, la passion, c'est la drogue. Oui. Non, mais la drogue positive. La drogue positive. Les gens ont besoin d'être passionnés. Oui. Mon Dieu, il y a tellement d'éléments dans la nature qui peuvent être passionnés et qui sont des modèles extraordinaires à copier, à imiter, à protéger. Je pense que c'est le message à laisser aux parents, aux grands-parents et à moi en particulier qui est extrêmement touchée d'avoir été reçue par vous avec les jeunes et toute l'équipe de TVR9. Je vous félicite aussi de votre implication au niveau nature, au niveau éducation, au niveau familial. Ça vaut cher. ça rend heureux. Un poste comme ça, ça vaut cher. On en a besoin. C'est nécessaire. Longue vie à vous autres. Merci. Longue vie à vous tous. Merci infiniment, M. Brossard. Je vous en prie.